te laisse 2 minutes, hein, monsieur. La famille lance cette fin de matinée sur Radio 6, c'est Pink. Thank you.
Benoît Jarier, sale en tête. Les taux se resserrent, mais Benoît Jarier, de Bretagne Séché Environnement, a réussi à trouver la vie. Très certainement la ville de France en matière de cyclisme qui est la plus historique. Ma chère Martine, je vais vous poser une question. C'est le premier à l'école de la Chambre de la Guerre de Roux de Marseille et il est là.
région Carrefour, Marquette de la région Nord et Est, et Barbarella national du sponsoring, et pour le Tour de France, et pour les 4 jours de Dunkerque, mais Eric Marchilli a le cœur, c'est chez lui, le directeur du sponsoring des hypermarchés Carrefour et Carrefour Marquette, et plus fort encore, Julien Tonarchi, le coach de l'équipe. Communauté urbaine de Dunkerque qui lui remet le maillot blanc de meilleur jeune. Ryan Cocard qui a enflammé le Vélodrome National à 50 ans en Yvelines lorsqu'il est devenu champion du monde de l'américaine. Madame Martine Arlavos, vice-présidente donc pour la CUD au sport de haut niveau, va également rejoindre Monsieur le maire, le président de la CUD sur le podium. Regardez Martine, elle a bien envie de se rapprocher de Ryan Cocard. Il y a des choses qui ne m'échappent pas. Donc, Ryan Cocard sur le podium, bravo. Il a été remarquable hier ou maintenant. Donc, Arnaud Gérard, ancien champion du monde. Mathieu Boulot, donc double vainqueur d'épreuve Coupe du Monde. Florian Vachon, qui a connu le podium aux 4 jours de Dunkerque. Et Benoît Jarrier, merci d'applaudir l'équipe. Bretagne, sèche environnement, meilleure équipe de ces 4 jours. Que rejoint le podium, le grand de l'équipe Montbert 93 qui avait gagné le Tour des Deux-Sèvres, champion national, à la deuxième place et porte les couleurs de l'équipe Europcar, Ryan Cocard, deuxième de l'épreuve, voilà avec le maillot vert, et Gaston Parfois, deuxième à 14 secondes, et vainqueur, et maillot rose de l'édition 2015, 61e vainqueur des 4 jours de Dunkerque, Tour du Nord, Pas-de-Calais, Ignatas Konovalovas, le grand lituanien qui va prendre place et qui félicite le troisième, le deuxième, voilà, Bernard Martel, le président du comité d'organisation des 4 jours de Dunkerque, voilà, monsieur Verdito, donc le maire qui félicite les 3 premiers que nous avons sur le podium, c'est un bien beau podium, voilà, monsieur le maire, qui félicite Brian Cocard, qui a félicité donc Ignatias Konovalovas et Alon Yakin, donc sur le podium, le coureur de l'équipe Aubert 93. On a vécu une course absolument exceptionnelle. En applaudissant le podium, on peut applaudir tous les coureurs, quel que soit le classement obtenu. Ça a été une formidable semaine avec une course intense. Voilà, le podium est là. Une première avec leur lauréat. Voilà, donc on retrouve Julien Tonarchi qui aurait réussi complètement ces 4 jours s'il avait obtenu la victoire d'étape. Grimpeur de l'épreuve, et si vous voulez bien, on est encore très nombreux en unissant qu'on peut y dire, parce que c'est absolument historique, c'est une sorte de record de France pour une épreuve de ce niveau. C'est les applaudissements que vous pouvez leur adresser à toute l'équipe des 4 jours de Dunkerque. Ils sont là autour de Bernard Martel, Chavis Mal, Pascal Mercier, Pascal Tragarde, Jean-Marie Richard, François Martel, Hervé Troubailleur, Franck Piello, Simon Chiravski, Nicolas Des, Olivier Lemaître, Olivier Vandilk, Jean Bonnard, également donc Marie, du comité d'organisation. Voilà, est heureux.